Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. On va s'attaquer à l'ouverture de la box Dragon Ball Post Art Wafer Unlimited Volume 3. Et oui, c'est déjà la troisième box. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes sur cette collection, eh bien j'ai fait des vidéos unboxing sur les volumes 1 et 2. A vous de voir si vous voulez les voir avant cette vidéo ou après. Présentation rapidos de cette box. Elle est sortie au mois de septembre 2020. Donc là, c'est tout récent. Je viens juste de la réceptionner. Sachez que sur le site AmiAmi où je les ai précommandés, eh bien, elles ne sont déjà plus disponibles. C'est déjà en rupture de stock. Alors, leur prix, c'était 3160 yens la box, ce qui fait approximativement 25 €. Donc, c'est pas très cher. Dans chaque booster, il y a une carte au format carte postale plus une gaufrette. Alors, en ce moment, je fais que des ouvertures avec des gaufrettes. Donc, le régime, on l'envoie chier au fin fond de l'univers. Hein. Je bouffe de la gaufrette à la chaîne. Je n'en peux plus. Cette collection est composée de 24 cartes. Vous l'avez compris, il y a 20 boosters à l'intérieur, donc ça ne suffit pas une fois de plus pour espérer avoir le full set. Donc évidemment, j'ai commandé une autre box. Donc celle-ci, je ne sais pas comment je vais faire pour l'ouvrir puisque les lives ne fonctionnent pas. Habituellement, j'ouvre les secondes box en live, mais ça ne fonctionne pas. Hein, vous l'avez vu sur le dernier live, j'ai dû couper. Peut-être que je ferai une vidéo où j'ouvre toutes les secondes box, on verra. Je sais pas encore comment j'ai prévu de faire la chose. Je pense que vous savez tout. Il est temps de se placer sous la caméra et on va faire l'ouverture de cette box. La box Dragon Ball Post Art Wafer Unlimited Volume 3 est ici et elle est un petit peu grande, donc elle rentre pas très bien sous la caméra, donc je vous la mets en travers. Vous le voyez, elle est en noir et blanc. Il y avait seulement le volume 1 qui avait droit aux couleurs sur la box. Donc sur les côtés, on découvre différents visuels de la collection. Sur la face avant, a priori, il y a les 6 cartes les plus rares. Je ne sais pas s'il y a 6 cartes secrètes, ce serait quand même énorme, ou si c'est un nouveau palier de rareté et qu'il n'y a plus de cartes secrètes, je ne sais pas. De toute façon, on le verra à l'ouverture, ce sera peut-être écrit sur les boosters. Allez, on continue de regarder cette box et bon, voilà, ça y est, on a fait le tour. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est son contenu. Où est le scotch? Il est ici, petit coup de cutter. Et nous ouvrons cette première box pour découvrir les visuels des boosters. 20 boosters dans cette boîte. On sort les deux premiers, je pense qu'on aura les deux visuels. Et ça met déjà en appétit, regardez-moi ça, les visuels des boosters, comme ils sont violents. Alors, est-ce que c'est les fameuses cartes les plus rares? Peut-être, je ne sais pas. Alors justement, on va regarder à l'arrière du booster. Alors non, c'est bien comme avant, il y a deux cartes secrètes, hein. Ce sont les deux cartes couleur gold. Donc ce sont les cartes GR. Ensuite, il y a les cartes rares de couleur orange, les cartes communes, on va dire, hein, qui sont en blanc. Et ensuite, les cartes AR, qui celles-ci sont généralement magnifiques. Elles ont un style beaucoup plus épuré, beaucoup plus minimaliste. Et moi, j'adore les cartes AR. Donc les fameuses 6 cartes qui sont ici, je pense que ce sont les 2 cartes secrètes plus les 4 cartes rares. Bon, bah, puisque je t'ai dans la main, on va t'ouvrir et on va commencer par ce booster, les amis. Et comme d'habitude, on va faire la petite dégustation de gaufrettes avant de s'attaquer à l'ouverture des cartes. Et donc, c'est le même format de gaufrette que d'habitude. Donc, la gaufrette est emballée, ce qui veut dire qu'elle n'en met pas partout dans le booster. Elle est ouverte et je pense que c'est le même parfum que d'habitude. Un petit parfum chocolat assez discret. Bon, maintenant, on va voir si c'est bien le même goût. C'est le même goût. Elle est pas mauvaise, mais c'est pas ouf non plus. Ceci dit, je vais quand même la finir. Voilà, c'est déjà enfilé. Maintenant, on passe aux choses sérieuses et on va découvrir la première carte de cette collection. Allons-nous avoir tout de suite une carte secrète, une carte AR, une carte rare ou une carte commune? Oh, bah déjà, ça commence très très bien. A priori, je vois qu'il y a pas mal d'effets gold et il s'agit d'un magnifique Son Gohan. Oh lolololo, la violence. Alors, toutes les cartes sont fournies avec une protection et évidemment, pour mieux apprécier les effets, il faut retirer cette protection. Regardez, alors c'est comme les premières séries, dès qu'on incline, on aperçoit tous les effets hein, qui apparaissent les uns après les autres suivant l'éclairage. C'est une très très belle collection, c'est vraiment pour ça que je les aime. Je pense qu'on est sur une carte rare, peut-être pas une carte secrète non plus, et nous le savons à l'arrière. Vous le voyez, c'est écrit en bas à droite, c'est la carte numéro 17, c'est bien une carte rare, nous avons la lettre R. L'arrière, vous le voyez, est assez minimaliste, hein, comme sur les deux premières séries. En tout cas, superbe carte, on commence très bien cette ouverture avec un magnifique Son Gohan. Petite parenthèse, je l'avais dit dans la vidéo précédente, hein, pour justement les Unlimited 2, eh bien, je vous montre comment je range ces fameuses cartes au format carte postale. Donc c'est un petit album photo qui est quasiment pile-poil au format de ces cartes-là. Alors, si ça peut vous aider, voilà l'album en question. Donc, il y a 24 rangements. Et pour le nom de l'album, ben voilà, Panodia. Je pense que c'est la marque du fabricant.
Vous avez même le code barre, voilà, si vous voulez noter, peut-être que ça va vous aider à retrouver si vraiment vous voulez faire comme moi. Donc je vous remontre, à l'avant j'ai mis un booster et pareil pour l'arrière, hein, puisqu'on peut personnaliser les pochettes et honnêtement c'est très pratique. Puis en plus voilà, c'est pile poil la quantité de cartes à collectionner pour cet album, donc franchement il s'y prête très bien. Je ferme cette parenthèse et on passe au second booster. Évidemment, il y a aussi une gaufrette à l'intérieur, vous l'avez compris, la voici, hop, elle dégage. Et on va découvrir maintenant la seconde carte de cette ouverture. Est-ce qu'on va faire tomber du rare encore une fois, ou est-ce qu'on va retomber vers de la commune? Alors là, je pense qu'on est sur une carte commune. Ceci dit, on sait déjà que c'est végétaux et ça a l'air relativement sympathique, magnifique le végétaux. Alors rendez-vous compte, c'est seulement une carte commune. Comme d'hab, je vais la retirer de sa sleeve pour qu'on puisse mieux apprécier les effets de la carte. Regardez ça, le ki qui scintille autour de végétaux, c'est magnifique. Donc évidemment, c'est plus discret sur les cartes communes, mais ça reste très efficace au niveau de la prise de lumière, c'est très très beau. Hein. Regardez ça, dès qu'on incline la carte, comme c'est magnifique, les éclairs qui ressortent bien, la silhouette qui est mise en valeur. Allez, c'est parti, on va regarder la troisième carte. Sur les séries précédentes, sachez qu'il était possible d'avoir les deux cartes secrètes dans une seule box. Alors est-ce que ça va arriver sur cette box là, je ne sais pas, mais en tout cas j'aimerais bien, ça ferait plaisir. Et donc là vous le voyez, nous avons une carte commune de Trunks. Hop, on retire la protection pour mieux apprécier les effets comme d'habitude. Voilà, je vous incline un petit peu la carte. Comme je vous l'ai dit, sur les cartes communes c'est beaucoup plus discret, mais c'est pas plus mal aussi, hein, le minimalisme a son charme. C'est la carte numéro 9 et c'est bien une carte commune puisque nous avons la lettre N, magnifique Trunks. Quatrième booster les amis, qu'est-ce que nous allons... Ouh là là, ça sent très très bon, ça c'est une carte AR, les cartes que je surkiffe. On sait déjà que c'est Gogeta, bah forcément face à Broly. Ah, oh là 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 là, j'adore ces cartes AR, allez vite, on la sort de la protection. Voilà, on a un style beaucoup plus minimaliste et ça, je kiffe les amis, c'est très très beau. Le Broly qui est tout en vert, un petit peu à la Hulk, et le Gogeta en bas à droite, hein, qui est prêt à donner un coup de coude ou un coup de poing, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, le combat est bien engagé. Pour la rareté, vous le voyez une fois de plus, c'est écrit en bas à droite, c'est bien une carte AR. Et il s'agit de la carte numéro 24, donc c'est la dernière carte de la collection. Cinquième booster, les poteaux. Est-ce qu'on va avoir du lourd après cette carte AR? C'est certainement une carte commune. Oh là là, du Ozaru. Du Ozaru, le petit Goku. Wow, j'adore, j'adore. Alors vite, on la dégage de la protection. Ah, ce visuel, les amis. Ce visuel magnifique. Le beau Ozaru derrière avec ses yeux rouges. Le Goku qui est lancé à pleine puissance. Ça, c'est de la perfection. La preuve qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour avoir de superbes visuels. C'est la carte numéro 8 et c'est bien une carte commune. Splendide, j'adore. Alors les effets sont quasi inexistants pour le coup sur celle-ci, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas grave, le visuel est tellement beau qu'on lui pardonne de ne pas avoir d'effet supplémentaire. C'est le sixième booster, pour l'instant nous n'avons pas eu de double. Il faut que ça continue comme ça, évidemment. Ça sent le Jiren, ça sent le Jiren, c'est bien lui. Et puis un Jiren en mode badass, en mode super nerveux. Comme le dirait notre ami Marty Japan, il est passé en mode mammouth. Regardez-moi ça, cette musculature, les veinasses sur le front. Oh là là là, il vaut mieux pas être en face, hein. Là, il fait peur le Jiren. Le scintillement rose, là, qui cette fois-ci prend très bien la lumière, on voit sortir son aura. C'est une pure merveille. Alors, il s'agit d'une carte commune seulement, c'est la carte numéro 2 de la collection. On va pouvoir passer au booster numéro 7. Le voilà, le septième booster. Et oh là 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 là, il y a du gold en haut. Ça sent la carte secrète, les amis. Ça sent la carte secrète à plein nez, et c'est Goku Super Saiyan 3. Je retire la protection et on regarde immédiatement au dos de la carte. Il s'est marqué GR en bas à droite, c'est une carte secrète et il s'agit d'une carte GR, c'est bien ça. On a une des deux cartes secrètes les amis, c'est la carte numéro 15. Regardez-moi ça, le beau Goku Super Saiyan 3. Du gold de partout, du prisme incrusté dans les effets gold, c'est magnifique, ça tourbillonne, on sent la puissance du Super Saiyan 3. Comme sur les séries précédentes, on retrouve le liseré en bas et le liseré en haut, hein, pour la carte secrète. Oh là là, la violence, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de cette carte dans l'espace des commentaires les amis, et même dites-moi
quelles sont vos cartes préférées dans cette ouverture? Le débat est ouvert. 8ème booster et pour l'instant on est gâté, on peut pas se plaindre des cartes qui sont tirées ici. Et nous avons un Trunks enfant de toute beauté avec sa jolie épée. Allez, on retire la protection. Et là j'ai l'impression que ça va bien briller avec cet effet blanc métallisé, ce bleu, c'est vraiment très très beau. Hein. Du dynamisme et de la rage dans le regard de Trunks, c'est ça qui est kiffant. Superbe carte une fois de plus et c'est une carte commune, je vous le confirme. C'est la carte numéro 16 de cette collection. Booster numéro 9, les amis. Qu'est-ce que nous... Oh là 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 là. Ça y est, on a une autre carte AR. Mais c'est un tirage de dingos. Sangohan versus Broly. Une fois de plus, Broly est à l'honneur sur une carte AR. On reprend le même principe qu'avec la AR précédente. Le Broly tout en vert au second plan. Et cette fois-ci, nous avons Sangohan au premier plan qui prépare sa belle attaque. Je sais pas ce que vous pensez de ce type de carte, mais moi j'adore. Franchement, ce minimalisme, le fond noir, la silhouette en vert seulement, hein, pas plus de couleurs. Et le personnage en premier plan, comme ça, c'est superbe. Donc confirmation, c'est bien une carte AR. C'est la carte numéro 21 de la collection. Et je vous la mets à côté de l'autre Broly avec Gogeta. C'est déjà le 10ème booster, ce qui veut dire que nous sommes à la moitié de cette ouverture. Allons-nous avoir une seconde carte secrète? Eh bien écoutez, pas cette fois-ci en tout cas. Et le Vegito, on l'a déjà eu, ce qui veut dire que nous avons notre premier double. Alors j'espère que ce sera l'unique double de cette ouverture. Comme vous le voyez, encore 10 boosters à ouvrir, c'est pas fini. Évidemment, on espère faire tomber une seconde carte secrète sur ces 10 boosters. Petit récap vite fait, on a eu une carte secrète, une carte rare et deux cartes AR. Est-ce qu'on va avoir une carte rare supplémentaire, une carte secrète supplémentaire? Ça sent la carte rare là, les amis, hein. Ça sent la carte rare. Broly une fois de plus avec de l'effet gold de partout. Donc là, c'est sûr, on a affaire à une carte rare. Ce qui fait que nous passons à deux cartes rares. C'est bien ça, c'est la carte numéro 18 de la collection. Oh là là, mais comme c'est beau. Une fois de plus, regardez ça, l'inclination qui fait exploser sa boule de ki dans la main. C'est splendide. Très beau visuel de notre cher Broly. Le fond vert qui vient vraiment bien souligner cet effet gold. C'est magnifique. Booster numéro 12. Et le booster du Goku Migate Mugoku, il nous cache quoi? Il nous cache une carte commune, a priori, une carte commune de Goku par contre. Un magnifique Son Goku qui est en feu, magnifique. C'est la carte numéro 5 de la collection, c'est bien une carte commune, hein, je vous le confirme. Et une fois de plus, l'inclinaison de la carte fait bien scintiller le ki de Goku. C'est magnifique. Le 13ème booster. Alors généralement, le 13 ne me porte pas bonheur dans mes ouvertures. Est-ce que ça va changer cette fois-ci? On va vite le savoir. Eh bien oui, ça change cette fois-ci. On fait péter une carte AR, mais elle est d'une violence. Le Janemba tout en rose comme ça derrière le Gogeta. J'arrive pas à la sortir de la protection. Ça y est, j'y suis arrivé. Oh là là, mais encore plus belle que les Broly. Franchement, là c'est ma préférée des 3 cartes AR qu'on vient de faire tomber. Alors quand même, 3 cartes AR, hein, c'est énorme. Gogeta Super Saiyan versus Janemba. Alors celle-ci, si vous la kiffez pas, je ne peux plus rien pour vous les amis. On regarde rapidement derrière, c'est la carte numéro 22 AR comme je vous l'ai dit. Alors là, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, vous ne pouvez pas ne pas aimer, c'est pas possible. C'est le 14ème booster les amis, c'est une ouverture super kiffante. Pour l'instant, on a eu un seul double et ici nous avons un Freezer, ce qui veut dire que nous avons une nouvelle carte sur la collection, ça sent très très bon tout ça. Une fois de plus, le visuel est énorme, on a un Freezer hyper badass. Les reflets qui sont assez subtils mais qui sont présents et qui font bien ressortir la silhouette et les rayonnements de notre beau Freezer. Vraiment très très belle carte et c'est la carte numéro 4 de la collection en rareté commune. 15ème booster, on se rapproche de la fin les amis. Oh là 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 là, du gold, j'ai sorti super vite. Mais alors là, Sangoku Super Saiyan God Super Saiyan Kaioken. Ça c'est du méga kiff. Visuellement, c'est une perfection. L'aura en bleu, du gold autour, le Kaioken qui explose. Le regard de Goku et la bouche grande ouverte, il est plein de rage, il fait appel à toute son énergie, c'est magnifique. C'est une carte rare, vous l'avez deviné, c'est la carte numéro 1 de la collection. Alors là, une fois de plus, on fait péter
du méga lourd. Alors les amis, vu le niveau des cartes, vous allez me faire un petit top 5 de vos cartes préférées sur cette ouverture. Dites-moi quelles sont vos plus belles cartes, je veux connaître votre top 5. Et pour ceux qui ont la flemme, allez, le top 3, ça suffira. Il reste 5 boosters avant la fin. On va ouvrir ce booster de Goku Migate no Gokui. Alors pour l'instant, on a 3 cartes rares sur les 4. On a 3 cartes AR sur les 4. Et on a une carte secrète sur les 2. Donc c'est un excellent tirage. Si on fait péter une seconde carte secrète, champagne. Cinquième booster avant la fin. Qu'est-ce qu'il nous réserve? C'est une carte de Vegeta. Une carte commune que nous n'avons pas eue. Alors là, le Vegeta, on n'a pas envie de venir le faire chier. On est sur une carte commune, c'est la carte numéro 10. Elle est de toute beauté. Et on passe au booster suivant. Quatrième booster avant la fin. Carte secrète, carte AR, carte rare, carte commune. Ça sent la carte commune, il n'y a pas de gold partout. Oh, ça m'a l'air sympa. Oh, super Mimi, Son Gohan sur son petit dragon. Alors j'ai beau détester la scène du dragon et de Gohan quand ils se mettent à siffler, mais alors la carte, elle est super kawaii. Comment résister à cette carte? Elle est pleine de joie. Alors le matin, si t'es pas de bonne humeur, tu regardes cette carte et tu pars travailler avec le smile. Magnifique. Donc c'est bien une carte commune, c'est la carte numéro 14. Oh, je suis en love total devant ce visuel. Honnêtement, peu importe la carte, j'ai une confiance absolue en cette collection. On sait que ça va être beau. Alors, c'est une carte commune certainement. Et il s'agit de Couleur. Couleur qui s'amuse à sauter dans les flaques, à éclabousser ses petits amis qui sont juste à côté de lui. Il aime bien faire mumus dans l'eau. C'est une carte commune, c'est la carte numéro 13. Et pour être plus sérieux, une fois de plus, c'est très très beau. Regardez ça, le scintillement du bleu comme il reflète la lumière, c'est magnifique. Ce sont les deux derniers boosters. On va commencer par qui? J'ai bien envie d'ouvrir le Super Saiyan 3 en premier. On se garde le Migate no Gokui pour la fin. Les amis, j'aimerais beaucoup qu'on fasse péter la seconde carte secrète. Allez, on y croit. On y croit, elle peut être ici. Elle peut être ici. Il y a du gold. Oh! Oh, 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 oh! Oh, les amis, je crois qu'on a fait péter la seconde carte secrète. Vite, on regarde à l'arrière. C'est la carte secrète, la seconde carte GR. Alors là, pour le coup, j'ai eu un petit peu de flair. Hein. Au moment où je vous en parle, elle sort magnifique. Gogeta versus Broly. Bon, le Broly, on l'aura eu hein, sur cette collection. Mais elle est magnifique, superbe. On a vraiment deux très belles cartes secrètes. Regardez, je vous mets l'autre à côté. Deux styles différents, deux transformations différentes. Superbe. Superbe. Oh là 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 là, comme c'est beau. Donc une fois de plus, on a le liseré en haut, on a le liseré en bas. Le fond bleu mauve avec l'aura vert de Broly. L'aura jaune de Gogeta. Magnifique. Comment ne pas aimer cette carte? Allez, on fait un petit zoom avant. On regarde un petit peu le visuel et les effets qui scintillent de près. C'est une pure merveille. Alors je sais pas combien de fois j'ai dit ça dans la vidéo, mais c'est une pure merveille. C'est le dernier booster. On a eu les deux cartes secrètes. En fait, il me manque une carte AR sur les 4 et une carte rare sur les 4. Donc, c'est vraiment un tirage exceptionnel. Qu'est-ce que nous allons avoir dans ce dernier booster? Une carte commune, une carte rare, une carte AR. La carte est entre mes doigts. On va la sortir tout doucement. De toute façon, si on ne voit pas de gold, on sait que c'est pas une carte rare. Qu'est-ce que ça va être? C'est une carte commune. Oh, 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 bah alors là, la carte commune, pas de souci. Celle-ci, je la prends sans aucun problème. Le bon Son Gohan qui retire sa cape. Magnifique, mais rendez-vous compte les amis, c'est une carte commune. C'est absolument dingue. C'est donc la carte commune numéro 11 de la collection. Et honnêtement, même si on finit avec une carte commune, franchement, on n'a pas de quoi se plaindre avec ce beau Gohan. On se fait un petit récap, les amis, sur les 14 cartes communes. J'en ai obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, puisque la Végéto est en double. Donc 11 sur les 14, exceptionnel.
Pour les cartes rares, eh bien, j'en ai obtenu 3. Vous les voyez ici, 3 magnifiques cartes rares. Il y en a 4 à collectionner, donc il en manque une seule. Même chose pour les cartes AR, j'en ai obtenu 3 sur les 4, donc il n'en manque qu'une. Et j'ai une grosse préférence pour celle de Janemba. Vous me direz laquelle vous préférez des 3 ici présentes, les amis. Et je me paye le luxe de faire tomber les 2 cartes secrètes avec la Son Goku Super Saiyan 3, ainsi que la Gogeta contre Broly. Pareil, dites-moi laquelle vous préférez entre les 2. Eh bien, les amis, franchement, une ouverture de malade. Les 2 cartes secrètes, 3 cartes AR sur les 4, 3 cartes rares sur les 4. Les cartes communes sont magnifiques. Vous ne pouvez pas ne pas kiffer ces cartes, ce n'est pas possible. Même si vous estimez que les cartes secrètes sont trop chargées, les cartes AR sont beaucoup plus sobres. Donc là, on a vraiment 2 styles différents. Vous êtes obligé de vous y retrouver au moins sur un des 2 styles. Enfin bref, comme je vous l'ai dit 1000 fois dans l'espace des commentaires, dites-moi ce que vous avez préféré pendant cette ouverture. Comme d'hab, on en discute ensemble. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, lâchez les petits likes qui font plaisir pour aider la vidéo à être référencée correctement sur YouTube. Et pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description ainsi que dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!